Un jour, alors que j'étais chez moi, ma copine Luna sonna à la porte. Coucou Katia, ça va ? Salut Luna, ça va et toi ? Ça va. Tu veux finir le film d'horreur avec moi ? Oui. Ah ! Ah, je peux pas voir ça ! Non, c'est horrible ! Il y a du sang de partout ! Il était hyper bien le film. Ouais, il était vraiment très très super, même si bref, ça faisait un tout petit peu peur. Écoute, moi j'ai un peu te laisser parce que là, il faut vraiment que je rentre, il fait tard. Ok, vas-y, à demain. À demain. Waouh, il est incroyable mon rêve. Aujourd'hui, j'ouvre mon propre restaurant pour distribuer de la nourriture aux sans-abri. Bienvenue chez Katia, on mange bien. Petit coup de ciseau. Ça y est, c'est ouvert. Je vais faire mon maximum pour que tout le monde ait ce qu'il a besoin, de la nourriture ou même un foyer, quitte à faire le tour du monde. Bonjour, je m'appelle Katia. Oh non, mon frère! Ça va, tu vas bien? Oui, c'est bon. J'avais besoin de toi, mais je n'osais pas t'appeler. Ok, mais la prochaine fois, appelle-moi. Même si je suis avec des copines, n'hésite pas. Promis. Me revoilà. Donc bonjour, je m'appelle Katia. J'aimerais aider tous ceux dans le besoin. Mais pour l'instant, j'aide surtout mon frère qui a un handicap. Ce n'est pas facile tous les jours, mais je l'aime beaucoup. Voilà, c'était Katia.